La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, en déplacement ce jeudi dans le village de Villegaillenc, commune fortement sinistrée par les inondations meurtrières d'octobre 2018. Une visite au cours de laquelle Carole Delga a réitéré le soutien de la région pour la reconstruction du futur Villegaillenc. 2 ans et demi après, la région est toujours là. Elle va continuer à aider les projets de Villegaillenc, que ce soit porté ou par la commune ou par le département. C'est vraiment un message de solidarité dans le temps que je tiens à apporter aux habitants de cette commune. Il y a eu le lancement donc des appels d'offres pour plusieurs équipements publics, culturels, sportifs, et où la région subventionne. Également, Hélène Sandranier a présenté les futurs travaux autour du pont qui vont être très compliqués, mais que la région va aussi aider. Et durant le temps des travaux sur le pont, il y aura un fonds d'indemnisation pour les commerçants qui sera lié à la perte du chiffre d'affaires et la région aidera. Donc des projets qui vont se développer, dont les premières pierres vont être posées durant l'année 2021, et également un soutien dans les prochaines années pour tout particulièrement ce pont qui est absolument indispensable et qui est aussi un symbole fort. Au cours de la visite, la présidente de la région Occitanie a été interpellée par des habitants sinistrés, dont les maisons doivent être démolies, parfois dans l'incompréhension des propriétaires. Depuis 2 ans et demi que les inondations ont eu lieu, nous n'avons pas de réponse de l'État concernant la définition précise du périmètre des maisons qui sont à démolir. Ceci a été demandé à plusieurs reprises et nous n'avons eu aucun argument convaincant qui nous permette de dire pourquoi cette maison-ci va être détruite alors que celle qui est juste à côté à 2 mètres à côté, a eu le même nombre d'auteurs d'eau et elle n'est pas détruite. Donc il y a beaucoup d'incohérences sur la définition du périmètre qui, à ce jour, n'ont pas encore été éclaircies. Les travaux du pont, quant à eux, devraient commencer d'ici la fin de l'année, un chantier de plus de 2,5 millions d'euros.